Écoutez, on a affaire, en ce qui concerne celui que je défends, à un très jeune garçon qui a eu un parcours tout à fait classique, de jeune homme né dans la région de Strasbourg, qui a été scolarisé, qui a eu une formation, qui avait un travail, qui avait des amis, qui sortait, qui a fréquenté certainement même des boîtes de nuit et qui n'avait jamais présenté le moindre problème ou laissé imaginer ce qui pourrait arriver par la suite. Est-ce que votre client vous a parlé de son frère, ce troisième kamikaze du Bataclan ? Écoutez, en ce qui concerne Foued, nous savions tous que Foued voulait rester en Syrie, mais nous savions aussi qu'il avait déclaré à sa mère ou à son frère qu'il voulait être kamikaze, mais qu'il se destinait à l'Irak. Donc jamais personne n'a imaginé un seul instant qu'il puisse revenir en France. Ça n'était pas du tout officiel et programmé. Ça veut dire que vous n'êtes pas surpris par cette information aujourd'hui qu'il se soit lui le troisième kamikaze, qu'il ait fait le chemin inverse pour revenir pour commettre un massacre à Paris? Ben si, au contraire, nous sommes sidérés, puisque à aucun moment il n'a été question pour lui de rentrer en France. Il a toujours, vous savez, il était en contact avec son frère, il était en contact avec sa mère. Et il leur a toujours dit, jusqu'aux derniers échanges il y a quelques mois, qu'il ne reviendrait pas en France et qu'il partirait en Irak. Et son projet d'être kamikaze, c'était pour l'Irak et pas du tout pour la France. Donc nous sommes effectivement tous très étonnés de savoir qu'il a pu revenir en France.